Donc, séance PEF du 16 Volmerange dans la catégorie U7, donc à la date du 17 octobre. Donc, on part sur une thématique sur la santé et l'environnement. Donc là, sur cet exercice, on part sur un petit slalom. Allez, j'ai touché un. Oui, au bout duquel les enfants doivent sélectionner une cible. Ouais, bien joué Arthur. Donc, au niveau des cibles, ils ont des bouteilles de soda et des bouteilles d'eau. Et donc, le but, c'est de les sensibiliser sur privilégier l'eau par rapport aux boissons soda, gazeuses. Très bien Arthur. Pour. Voilà. Et quand on arrive au plot bleu, on vise la canette qui est pas bonne pour la santé. Ah presque. Donc atelier PEF, donc sur la thématique santé. Donc manger équilibré. Donc là on est en train de sensibiliser les enfants sur les 5 fruits et légumes. Donc un petit exercice sous forme de béret où ils partent en conduite de balle, ils ont deux portes à franchir. Et donc ensuite dans trois cerceaux on a différentes catégories d'aliments représentés avec de la dinette, des fruits, des légumes, d'autres produits comme du poisson, des bananes. Et ils doivent ramener ensuite leur choix à l'éducateur qui leur explique du coup l'intérêt de prendre un fruit ou un légume. Voilà. Ou des légumes. Alors, vas-y Anna, regarde bien. Alors, qu'est-ce que tu prends comme ingrédient pour être en bonne santé? Vas-y, prends celui que tu veux. Un truc que tu peux manger avant de faire du foot. Vas-y Anna, prends-en un. Très bien. Et tu vas la ramener à Rémi, qui est tout là-bas. Donc les grandes. Anna, elle ramène une tomate. Est-ce que c'est bien? Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un fruit et un légume en même temps et du coup c'est voilà. Ok, qu'est-ce que ça donne un fruit ou un légume avant le match? De l'énergie et de l'énergie. Tip top. Donc exercice PEF, donc du 17 octobre avec les U7 de Volmerange-les-Mines. Donc exercice sur la santé et là notamment sur l'importance de se laver les dents. Donc on a fait un petit parcours avec des plots qui représentent des dents et des petites coupelles qui correspondent à des petites traces de sucre. Pendant ce temps, donc nous avons une carie conduite de balle qui fait un parcours tout autour qui correspond à la bouche à base de slalom, de différents exercices techniques. Pendant ce temps, les brosses à dents en conduite de balle se dépêchent d'aller récupérer une coupelle représentant le sucre en relais afin de nettoyer la bouche le plus rapidement possible avant que la carie ait fini son tour. Quand celle-ci a fini son tour, on compte le nombre de sucres restants qui fait les points de la carie. Ouais. On y va les brosses à dents, on garde la conduite de balle et on ramène. Pendant ce temps, la carie, elle fait le parcours. Voilà, allez, une nouvelle brosse à dents. Allez, on ramène à sa copine, on fait le relais et c'est reparti, on va nettoyer une dent. Voilà, tac. Attention, allez, la carie, elle arrive. Quand la carie, elle a arrêté le ballon dans le rond bleu, c'est fini.
Attention. Et stop. Ok. Allez. Allez, oh, reviens en arrière, on fait les tunnels correctement. Voilà. Allez, vas-y, va au cerceau maintenant. Au cerceau rouge. Allez, et après, plot rouge, jaune. Tac. Le jaune. L'orange. Allez, l'orange et le bleu. Et après, on revient au cerceau rouge qui est là. Allez, brosse à dents. Allez. Allez, par l'intérieur, par là. Tu vas où? Par l'intérieur, là. Allez, allez, vite, les brosses à dents, elles vont à toute vitesse. Allez, et on arrête dans le cerceau.